L'alerte retentit. Les bombardiers alliés approchent. La valise est prête. Elle referme tout ce que je peux sauver. Nourriture, lettres, photos, argent, souvenirs. Nous rejoignons les abris, confiants que les bombes n'atteindront pas nos habitations. Nous savons que nous y sommes peut-être pour plusieurs heures. On s'assoit, on se couche, on se tasse, on guette le vrombissement des avions, le sifflement du bombardier. Un ronronnement continu s'amplifie au fil des secondes. En 1936, Knud Lundberg Holm, architecte danois émigré aux États-Unis, affirme que le développement technologique signifie de plus en plus la conception d'instruments d'agression militaire. Les avancées techniques dans le logement se traduisent par la production d'abris étanches contre les gaz et résistants aux bombes. Il semble que les avions se soient éloignés. Je sors de l'abri anti-aérien, découvre l'ampleur des destructions, ce qu'il reste de la ville. Il faut un certain temps pour que mes yeux s'accoutument de nouveau à la pénombre et que je puisse voir au milieu de l'incendie. Mais l'eau semble être en flammes. Il y a les cratères de bombes, la cathédrale au milieu des gravats, les vitraux brisés. Il y a les toitures soufflées, la gare pulvérisée, les usines en miettes. Il y a les rues percées, les fossés, les places poudreuses, les blocs d'immeubles mitraillés. Il y a les tissus bleu marine suspendus derrière les fenêtres sans volets. Il y a la boue, les morceaux de fer tordus dans le dédale. Il y a ces murs noirs de fumée, cette tour massive et carrée, ces carrefours aux boutiques closes. La peur des avions alliés se mêle à l'espoir, la joie de la libération. Le gouvernement de Vichy et l'autorité d'occupation ne manquent pas de donner la plus grande couverture médiatique à ces raids meurtriers. Elle veut attiser la rancœur, la haine des Français envers les Anglais et les Américains. Les offensives alliées aux conséquences dévastatrices ne doivent pas faire oublier que c'est par faute de moyens adéquats que les nazis n'ont pas rasé Londres. En dépit de leurs conséquences, les premières attaques n'éveillent pourtant pas de rancœur. Beaucoup ont une confiance aveugle en l'habileté des pilotes anglais. Les bruits circulaient selon lesquels seuls les bâtiments ou quartiers occupés par les Allemands étaient visés. Ils n'imaginaient pas que les bombes les atteindraient. À travers la brume qui hante le paysage, les silhouettes marchent dans une matière pulvérisée. Il y a le bruit de petites explosions, le sifflement strident de la vapeur qui s'échappe des chaudières des locomotives endommagées. De temps en temps, dans le silence résonne un petit tintement bref et argentin. Un morceau de vitre chute. Je remonte le quai. Les transports collectifs et les automobiles se sont raréfiés. Sur la Terre.
Des hommes et des femmes hébétés, certains blessés. Leurs vêtements déchirés répètent « Il n'y a plus rien. Ça brûle tout. » Les premières victimes sont amenées à la chapelle. Je croise les regards médusés fixés sur le dehors. Les blessés se multiplient. Un visage clair réchauffe les choses dures. Il y a cette femme, assise près du lavoir. Qui faisait partie de la mort. Les événements de la guerre sont enfermés dans ce visage silencieux. À partir de cette figure, de ces gestes, de cette voix. Je m'assois à ses côtés. Ce n'est que moi-même qui parle. Mon cœur qui résonne et qui bat. Ruine. Tout n'est que ruine, me chuchote-t-elle. C'est un quotidien de délabrement matériel et de désœuvrement mental. C'est la réalité du temps vécu, des attentes, des aspirations et des désillusions d'hommes et de femmes, individus errants au corps distordu. Le brouillard s'insinue dans tous les coins. Le brouillard échappe des larmes. La pluie aveugle les fenêtres. On distribue du bois pour les malades au lit. Les consignes de la défense passive sont toujours maintenues. À la nuit tombée, Orléans est plongée dans l'obscurité. Les riverains traversent la ville parsemée d'embûches, où le danger est imminent à chaque instant. Viseur Norden Mach 15. Concepteur Karl Norden. Poids 23 kg. Objet technologique d'une extraordinaire capacité. L'armée américaine, très enthousiaste, dépense 1,5 milliard de dollars en 1940 pour son développement. Durant la guerre, elle en achète 90 000 à 14 000 dollars chacun et forme 50 000 bombardiers pour les utiliser. Avant la sortie de ce viseur, les bombes manquaient systématiquement l'objectif de presque 2 km, affirme son concepteur. À présent, on peut lâcher une bombe dans un tonneau à 6 000 mètres d'altitude. Le viseur Norden permet de bombarder uniquement ce qu'il est absolument nécessaire de bombarder. Quelle révolution ! En théorie. En théorie. Que s'est-il véritablement produit ? En pratique, le viseur peut effectivement lâcher une bombe dans un tonneau à 6000 mètres d'altitude, mais en parfaite condition. Or, en temps de guerre, les calculs effectués ne sont pas valables. Il suppose un avion volant dans un ciel dégagé, à vitesse réduite à de basses altitudes. Que s'est-il passé ? Des villes et villages ravagés, anéantis, des populations civiles touchées, tuées. Je suis face à ce mur devenu un trou de ciel gris. Je cherche ma respiration. C'est ici que j'ai vécu, ici, ce qu'il en reste, dans une petite maison, rue des Carmes, à Orléans, au premier étage d'un de ces bâtiments avec une cage d'escalier sombre et infecte. Ici que j'ai vécu, seul, dans une chambre, dénué de mobilier, séparé d'une cuisine par un rideau imbibé d'une humidité malsaine. À gauche de l'entrée, ce qui me servait d'atelier est aujourd'hui suspendu dans le vide. Je regarde ce décor soufflé, endeuillé. Ici et là, des meubles enfouis sous des pierres, des tableaux poussiéreux, des caisses imbibées d'eau croupie, du linge brûlé, une horloge pendue à son câble. Je sens encore la chaleur térébrante qui se dégage de ce trésor perdu.
Nés pendant la Première Guerre mondiale, les bombardements aériens n'avaient touché que très ponctuellement Paris, Londres, Karlsruhe ou Cologne. Depuis 1909, le général italien Giulio Douai réfléchit aux conséquences de l'apparition de l'aéronautique dans le champ militaire. En 1921, il écrit « Il dominio dell'aria ». Il voit dans l'avion l'arme offensive par excellence capable d'opérer en masse et formule la théorie du bombardement stratégique visant l'arrière, les centres industriels et les populations civiles. Depuis 1943, sa théorie est appliquée. Aucune arme, ni la défense anti-aérienne, ni l'aviation de chasse n'est capable de bloquer une offensive aérienne majeure. Il considère qu'il ne peut plus exister de zone dans laquelle la vie puisse s'écouler dans une sécurité totale et dans une relative tranquillité. Le 8e corps de la 3e armée du général Patton arrive par le nord d'Orléans. Aidés par la résistance, ils entrent dans le faubourg Bagné. Après 50 mois d'occupation, Orléans vit la seconde libération importante de son histoire. La foule se précipite au milieu des blindés, des jeeps. Elle acclame ses libérateurs. Les manifestations d'enthousiasme populaire, les grandes parades orchestrées célèbrent la victoire. Les explosions des feux d'artifice exorcisent celles des bombes. Désormais, la guerre détruit la ville, de loin, de haut. La Seconde Guerre mondiale est une guerre urbaine. La ville n'est plus un refuge. Elle est un champ de bataille, le théâtre de combats acharnés. Châteaubriand, Brest, Arcachon, Besançon, Le Havre, Cholet, Lorient, Angers, Saint-Nazaire, Dinard, Saint-Lô, Fléré, Royan, Rimont, Évreux, Berlin, Saint-Malo, Rotterdam, Rouen, Dresde, Chambéry, Düsseldorf, Grenoble, Lübeck, Lyon, Varsovie, Rambouillet, Nice, Cologne, Montélimar, Avignon, Pau, Cherbourg, Gladbach, Dieppe, Cassel, Toulon, Montpellier, Strasbourg, Nantes, Stalingrad, Paris, Marseille, Sébastopol, Lille, Kiev, Dreux, Caen, Dunkerque, Saint-Laurent-du-Var, Carcassonne, Givors, Argenteuil, Vargueul, Saint-Étienne, Madrid, Le Mans, Guernica, Charleville, Belgrade, Morlaix, Lyon, Boulogne-Billancourt, Coventry, Laon, Birmingham, Saint-Quentin, Tons, Liverpool, Auxerre, Deville, Königsberg, Avignon, Brie, Manchester, Couvrel, Clyde, Coussy, Namur, Chaumont, Charleville, Darmstadt, Sedan, Francfort, Mouradour-sur-Glane, Lisieux, Blois, Soupir, Fleur, Neuchâtel, La Rochelle, Moussy-sur-Aisne, Halberstadt, Courtesson, Tokyo, Romenoville, Hiroshima, Féan-Haye, Nagasaki. En dépit du manque de main-d'œuvre, les premières réparations et déménagements sont entrepris dans les écoles peu endommagées. Les drapeaux tricolores flottent au-dessus des portes d'entrée. Dans les salles de classe, le portrait du général de Gaulle remplace celui du maréchal Pétain. Cet après-midi, jour de rentrée, un goûter de la libération est organisé pour les enfants. Les proviseurs, directrices et instituteurs leur rappellent un passé récent, pour que leur mémoire ne se troue pas. Ils leur expliquent ce qu'est un peuple esclave, ce qu'est un peuple libre, en exaltant les bienfaits de la liberté reconquise. Le chant de la Marseillaise prend dans certaines salles d'autant plus de signification
que le bâtiment résonne encore des bruits des bottes nazies. Tout espace, quelle que soit sa situation géographique, est une zone de guerre potentielle. Je traverse la rue de Bourgogne et m'installe à une terrasse avec ses marguerites d'automne qui font presque oublier la guerre et les décombres. Je lis le journal et découvre une annonce adressée aux sinistrés. Le service régional du commissariat à la reconstruction à Orléans dispose d'un petit nombre de bâches de 7 x 5 mètres qui peuvent être louées aux sinistrés et qui sont actuellement entreposées aux établissements Saint-Frère, rue Bagné. Nous autres, sinistrés, nous devons supporter la rigueur du froid dans des buanderies, des granges, des caves et des greniers. Nous sommes encore nombreux, sans abri, installés de façon rudimentaire. Une famille de 4 personnes, dont un enfant tuberculeux et un bébé de 2 mois, vivent dans une cave aérée et éclairée par un soupirail. Un artisan, sa femme et ses 3 enfants logent dans un fournil rue du Petit Pont. 2 femmes enceintes couchent au centre d'accueil. D'autres familles se réinstallent dans leurs propres ruines, improvisant cloisons, charpentes et couvertures avec des matériaux d'occasion. 6 000 familles sans abri errent avec stupéfaction dans une ville d'aspect lunaire. Sans eau, sans égout, sans gaz, sans électricité, sans service public, sans chemin de fer. Le volume des dossiers s'entasse au service des sinistrés. De nouveau une nuit, dans une grange où le vent, le froid et la pluie accompagnent mes insomnies. Entre le temps des invasions, celui des bombardements, celui des occupations et de la libération, le quotidien des villes est transformé par la guerre. La guerre redéfinit constamment la conception et l'aménagement de l'espace. Elle est un processus complexe de transformation où l'architecture dans sa totalité tient un rôle majeur. Le quartier des deux gares, les Aubrais et Orléans, est ravagé. Le cimetière est un chaos indescriptible. Les ouvriers se livrent à une besogne macabre. Remblayer, retracer les allées, réparer les égouts crevés, récupérer les éléments des monuments funéraires. On compte plus de 8 000 foyers détruits dans le département. Les hôtels meublés et les immeubles vides sont réquisitionnés. Ailleurs, des baraquements provisoires sont en construction. Les délais de finition ne permettront pas aux sinistrés de s'y loger cet hiver. Il nous faut être patients. La reconstruction des villes françaises après la Seconde Guerre mondiale s'inscrit dans une vision de modernisation à la fois technique et sociale. Elle constitue un enjeu pour le gouvernement provisoire et pour la 4e République. Comment rebâtir l'armature urbaine d'un pays appauvri? Comment réparer ses bâtiments publics, ses monuments historiques quand manque l'argent, les matériaux et la main-d'œuvre? Un programme de travaux d'urgence se met en place pour les services publics, les immeubles privés et provisoires. Comblement des trous de bombes, réparation des canalisations d'eau, revêtement sur les chaussées, les trottoirs, remise en état des égouts, installation de vitres. Les travaux de réfection sont ralentis. À la cité des sinistrés de 1940, rue Croix-Baudu, les réparations sont en cours.
Les anciens locataires pourront bientôt réintégrer leur logement. L'îlot 4 a vu donner les premiers coups de pioche. Le service des sinistrés met en vente des cuisinières, poêles, tables, armoires, tabourets. Un restaurant municipal d'entraide vient de s'achever. On y déjeune par petites tables de 4 ou 5. Nous pouvons y apprécier de bons repas chauds pour 15 francs. Dans les années qui suivent sa libération, la ville d'Orléans est l'une des premières reconstruites. Les quartiers ouest du centre-ville détruits pendant la guerre, Orléans est désigné ville pilote en matière de reconstruction et se dote dès 1943 d'un plan d'urbanisme. Les travaux commencent dès le début de l'année 1945. Cette reconstruction se fait pour une part à l'identique, comme la rue Royale et ses arcades, et d'autre part par la mise en œuvre de procédés de préfabrication innovants comme l'îlot 4 sous la direction de l'architecte Paul Abraham. Un prototype technique et architectural de 8000 m² comprenant 17 immeubles de 3 à 4 étages. Les îlots voisins 1, 2 et 5 complètent l'opération et s'achèvent en 1949. L'îlot 4. Oui, c'est ici que j'habite désormais. Je viens d'emménager depuis quelques jours. Déjà, je ressens un besoin profond et inexplicable de partir. Pourquoi ? Pour aller où ? Ne suis-je pas mieux installé ici qu'avant ? Le problème est ailleurs. Je sors d'égourdir mes jambes. Les îlots de la reconstruction sont issus de la logique haussmannienne qui dessine l'espace public et détermine une nouvelle configuration. Conçus pour rompre avec le passé, les immeubles imposent leur unité volumétrique et architecturale, nuancée cependant entre des façades nobles, marquées par le classicisme donnant place du Martroi et rue de la République, et des façades courantes sur les autres rues. La construction donne lieu à un chantier expérimental en matière de procédés de préfabrication, censé économiser temps, matériaux et main-d'œuvre soigneusement observés par l'État. Les logements de 3 pièces en moyenne sont occupés par une population diversifiée, constituée à 75% de locataires privés. Reprenons l'histoire à son début. La guerre est finie. Il y a les millions de sans-abri. Il y a la volonté d'une nouvelle croissance industrielle. De la guerre à l'urgence d'une industrialisation massive, la seule possibilité d'indemnisation des sinistrés prend le chemin de plus en plus contrôlé du relogement collectif à bas prix et rigoureusement normé pour tous. C'est la seule solution admissible face à 10 millions de sinistrés et devant 5 millions de logements détruits, endommagés ou insalubres. Il faut prévoir et optimiser scientifiquement le futur. Rapidement émerge l'idée d'une norme nationale. Le long terme n'existe pas en temps de guerre. Les murs de l'ancien immeuble où je résidais ont persisté à s'effriter encore quelques temps, avant que la main-d'œuvre ne vienne y mettre un terme. Alors, tu as vu le mur ? Tu l'as véritablement vu ? Ces marques et les cahiers étaient les blessures du temps. Bientôt tout sera reconstruit, reblanchi, recrépi, et les habitants reprendront leurs activités quotidiennes. Beaucoup de Je suis fait de déchirures. Je lutte contre le vide dans l'espoir de le vaincre. Peu d'espoir. Vivre de nouveau. Les premiers sondages d'opinion apparaissent dans les années 30 afin de légitimer les décisions gouvernementales. En 1945, la majorité des Français désirent une maison individuelle et une 4 chevaux. Les résultats des planificateurs iront à l'encontre du sens commun. Le logement collectif s'emballe rapidement. Le MRU crée les immeubles collectifs d'État, ICE, puis les ISAI. La plupart de ces immeubles collectifs d'État deviennent des HLM à loyer modéré en juillet 1950,
date officielle du lancement de la politique quantitative liée aux nouvelles procédures de financement du logement. Son démarrage n'aura lieu véritablement que 3 ans plus tard. Le statut du copropriétaire des sinistrés indemnisés devient celui du locataire d'HLM. Contrairement au HBM, les studios et les grands appartements sont bannis des futurs grands ensembles. C'est le transfert d'un produit pour classe nécessiteuse en un produit pour tous. Comment la ville était-elle avant ? De nouveaux quartiers se développent dans la boue des champs. Temps d'après-guerre où les mémoires, les traits d'esprit disparaissent au fil du temps. La ville est quadrillée, sectionnée entre les ruines et ses grands projets architecturaux. Parmi les paquets de films multicolores, les structures de fer, les ouvriers piochent, réparent, bâtissent l'avenir. C'est dans ces trous que les secrets du passé se bouchent. Les monuments commémoratifs remplacent la réalité historique. Les trous bouchés, les mines déminées, les civils et militaires enterrés. La ville a disparu. La ville et ses toits crevés, ses barques retournées sur le gazon, ses murs décrépits. Plus rien. Soufflé. Tout cela comme tombé dans un trou. Orléans retrouve sa limpidité. Ses rangées de fenêtres nettoyées à l'alcool. Ses pelouses tondues. Ses jardins potagers. Orléans tourne. Pointage et marquage des ouvriers. Orléans bruit. Entrepôt et chantier. Poste de radio Philips. Sonovox. Marconi. Orléans bourdonne le dimanche matin. Il y a la queue chez le charcutier, la boulangère. La ville digère. Et moi, je suis cloîtré dans ma mémoire. C'est bien une architecture typique des volontés de la reconstruction marquée par l'absence de référents d'avant-guerre. Effacer et ouvrir l'image, le souvenir. C'est le début de l'architecture dite statistique. Cage d'escalier, claustrat, répétition à l'identique, proportion des baies, systématisme des ouvrants. La préfabrication en usine pour les blocs fenêtres, les blocs usines, les blocs eau, les escaliers. Et la préfabrication sur le chantier se base sur une économie de temps, un chronométrage de montage et d'assemblage. L'architecte Paul Abraham se pose la question en 1945 de savoir si l'architecture, dont la guerre vient détruire tant de merveilles, va subir un recul du fait de la machine produisant en série des formes stéréotypées. L'année suivante, il écrit « La préfabrication peut être la base d'une architecture caractérisant son époque à l'égal du classicisme ou du gothique, capable peut-être de rendre moins cruel le souvenir de tant de choses de qualité à jamais disparues. » C'est une période de nouvelle motricité urbaine avec pour modèle des HLM anonymes et massifiés nationalement. Prototype d'abord en l'état de bloc individuel, puis progressivement assemblé. Le confort de mon nouvel appartement n'a pas d'égal avec mon ancienne maison. Il faut attendre les très grandes opérations pour voir s'épurer les blocs de plus en plus regroupés. Et pourtant, ce flot comblait la terre suffisante, détruisait sans cesse toute apparence. Pourtant, c'était le visage du temps. Oublié, effacé, étouffé l'image, le souvenir. Ce flot comblait la terre suffisante. Gardé. Garder en mémoire. C'était le visage du temps. Mais comment vivre? Effacer, vivre de nouveau. Effacer.